Bonjour à toutes et à tous, l'ami Segal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. Je vous apporte une bonne nouvelle car on va tout simplement se tester et voir un petit peu le skin de Jesse Dragon Rouge. C'est simplement un skin qui sera gratuit à partir du 9 juin disponible sur tous vos comptes pour tout le monde. Donc ça fait plaisir les gars, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous le trouvez ce skin. Franchement les gars, bon on est sur une version développeur, hein. C'est un compte dev, c'est pour ça que j'ai accès au skin, je n'ai pas de privilège par rapport à vous. Je l'aurai dispo que le 9 juin, mais on va quand même pouvoir se le tester sur ce compte développeur. Et je remercie Brawl Stars au passage. Mais du coup voilà, comment vous le trouvez? Donnez-lui une note. Je sais pas moi, est-ce que vous le trouvez parfait ou pas? On va se tester in-game. Et juste avant les gars, n'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous rentrez le code créateur Gaël, on va dire que ça régale. Alors du coup le skin, franchement moi je le trouve sympa. C'est vrai que j'ai déjà le skin de Jesse Tanuki sur mon gros compte. Donc franchement je sais pas si celui-là sera mieux ou pas. Très franchement on se le testera. J'aime bien jouer les skins du moment sur les brawlers. Je pense que je suis un peu comme vous. Quand on achète un skin en général ou quand on l'a gratuitement, peu importe, hein, qu'on l'achète en point star et tout. Mais en général, on aime bien le jouer. Donc c'est un petit peu ma façon de penser aussi. Et je pense qu'on va partir directement en game. Alors on lance sur Feast of Famine. Vous connaissez le rituel. Voilà, Jesse, c'est un brawler qu'on connaît déjà. Mais je veux voir ce nouveau skin, cette tourelle, tout ça, tout ça. Alors on tente le mid ou pas? Est-ce qu'on tente le mid? Alors est-ce qu'il y a un mec qui est rentré au mid ou pas, les gars? Ouais. On va essayer de prendre les popos par là. Tac. On va essayer de régénérer un petit peu et d'aller les soulever. Ok. Là, on va aller prendre les pots. Ouais. Je me mets bien là. Là, je me mets bien, à mon avis. Comment vous le trouvez, les gars? Comment vous le trouvez, ce petit skin? Lui, il meurt. Alors, on va lui péter sa tourelle. On va mettre la... On va mettre notre tourelle. Là, dès qu'il y en a un qui passe, j'ai les trois gadgets, les gars. Vous connaissez les bails. Hein. Ça freeze... Quelques petites secondes un mec et ça suffit en général à lui mettre la misère. Là, la Billy, on peut la soulever ou pas? Est-ce qu'elle est là-bas? Est-ce qu'elle est là-bas? Non. Est-ce qu'elle est là? On pré-shot, ok. Ça c'est fait les gars, on a 11 popos avec celle-là, ça fait 11. On est plutôt bien, ma tourelle au mine, normalement elle y est encore. On va tout simplement regarder ça. Je trouve qu'en ce moment, c'est pas mal le délire de mettre des skins gratos comme ça. On a eu le roi des barbares sur Bull il y a pas si longtemps que ça. Et franchement, moi, je kiffe bien parce qu'il y a pas mal de joueurs, tout simplement, même beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont free-to-play, qui ne mettent pas d'argent. Et bah, du coup, c'est quand même cool qu'ils aient accès à des skins parce que bah, c'est un peu, je sais pas si on peut dire un luxe, mais c'est quelque chose, voilà, que les joueurs qui ne mettent pas d'argent ont... Alors, pourquoi la toile, elle le tire pas? Ouais, la tourelle, elle voulait pas le tuer, elle était cachée. Il est abrité. Je disais, les joueurs qui n'ont pas d'argent, c'est bien qu'ils puissent aussi kiffer avec nous, tout simplement. Il n'y a pas de raison que ceux qui mettent de l'argent comme moi... Ils soient les seuls tout simplement à pouvoir kiffer le jeu. Allez les gars, on est parti sur la map Flipper en Brawl Ball. On va essayer de leur mettre des grosses cartouches. Alors j'aime bien cette map parce que tout simplement les mecs en général passent tous au mid. Alors attention, ouais, si on fait pareil, ça va pas être judicieux. Malheureusement, on est plus bêtes qu'eux. Mais tout simplement en général, quand les mecs passent par le mid, l'espèce de passage là, en général les coups ricochent et vous pouvez... Franchement, vous pouvez presque les tuer tous les trois. Si vous jouez bien, alors le problème c'est que moi mes frérots ils ont pas... C'est pas des pros du jeu mes petits frérots bot, la bot 4 et bot 5, et du coup ils font la même erreur. Donc on n'a pas réellement d'avantage parce que du coup voilà les gars. Si les mecs font la même erreur, on peut pas avoir d'avantage, voilà moi je vous le dis les gars, tranquillou. Alors ça vaut pas Penny, hein. Penny sur cette map elle est incroyable, parce que je vous assure que le nombre de mecs, enfin de carnage que j'ai fait, alors, beaucoup plus à bas niveau... Beaucoup plus à bas niveau que quand vous commencez à monter à 6, 700, 800, hein, forcément les mecs se laissent moins piéger. Ouais, bon, là on tombe sur des gonzes, ils sont pas... C'est pas des champions, ça rentre. Ok, tranquille. Deux trick shots incroyables, Brawl Ball, ce fut une promenade de santé. En tout cas, le nouveau skin, on va vite fait aller le checker tous ensemble une nouvelle fois. Moi, je vous dis honnêtement, cette petite Jessie Dragon Rouge, elle est quand même vraiment stylée. On a la Jessie Tanuki, laquelle vous préférez, les gars? C'est à vous de me dire en commentaire quel skin vous préférez. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis un peu mitigé parce que j'aime bien les skins flashy. Et ouais. J'avoue que celle-là était pas mal, mais je préfère la Tanuki. Ouais, non, celle de Estival, on l'a acheté il y a pas longtemps. La Chevalier Dragon, Elle est bien. C'était ma préférée au tout début quand on avait que ce skin-là avec le skin de la plage. Mais très franchement, DC commence à avoir beaucoup de skins d'ailleurs. C'est un des brawlers qui a le plus de skins dans le jeu. Moi, personnellement, je pense que le top 2, c'est vraiment la Tanuki et la Dragon Rouge. Vous me direz en commentaire quel classement vous faites le top 3 des plus beaux skins de Jesse. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Je pense qu'en réalité, on va se lancer encore une petite game. Ouais. On va se tester une petite map de siège, voir un petit peu ce que ça peut donner avec la petite Jesse du coup.
voir un peu si là aussi ça passe par le mid ou pas, les gars. Suspense. En tout cas, c'est le 9 juin. Hein. Retenez bien la date. Le 9 juin, vous aurez le skin gratuit dans le shop. Donc, profitez-en. Ouais, ouais, ouais. On a un peu Lovita, là, les gars. Je vais pas vous mentir que c'est compliqué. Lui, il met un ulti un peu cramé. Alors, on va essayer. Ok, tonton, il se fait toucher par le Franky. C'est parfait, ça. On est absolument nul, les gars. La game de siège, elle est claquée. Alors, on va pouvoir défendre, il n'y a pas de problème. Mais. Alors là, ils se prennent tous les coups, c'est plutôt cool. Ok. On va mettre la tourelle, tac. Là, normalement, on va pas se prendre beaucoup de dégâts. On va pas se prendre beaucoup de dégâts. Le robot, on va le laisser taper. Le but, ça va être de reprendre le contrôle du mid pour essayer de reprendre les boulons, les copains. Ok, là, on s'est pris, on a pris cher, là. Je vais essayer de placer... Alors, dès qu'il pète ma tourelle, on va en replacer une par là. Là, c'est bien, là. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît judicieux, les gars. Alors, le start compliqué, hein, malheureusement, ça arrive. Mais en vrai, on est en train de prendre un bon contrôle. Tara, elle crame son ulti. C'est un peu dommage. Elle aurait peut-être pu le garder. On a quoi, là? On a 3. Est-ce qu'on peut one-push? Est-ce qu'on peut one-push avec mes frérots qui ont l'air de faire un peu nimp ou pas? Allez, allez, les gars, c'est le moment de les dépop, là. Bien joué le Daryl. Daryl, bien joué. On a le robot, je pense que c'est le moment d'essayer d'aller les déchirer. Alors, attention, attention à pas prendre le focus. Voilà, on va s'y mettre la tourelle comme ça. Allez, les gars, moi je tire, ça ricoche un petit peu sur tout le monde, alors on va essayer de viser. Et je pense que ça one-push pas du tout, si, les gars, ça peut peut-être one-push, non, ça one-pushera pas, je vais mourir, oh putain, c'est dommage, les gars, on est en 3 boulons à 2, il faut pas qu'ils prennent le prochain robot, même si je pense qu'on peut le défendre, pourquoi la Tara, elle monte pas, putain, mais c'est un truc de fou, la stratégie qu'ils ont, elle est chelou de dingue. Ok, la Tara qui a très très bien joué, la Nita à droite, ouais, je pense qu'on va avoir le prochain robot ou pas. Ouais, il y a assez de temps, normalement on va avoir le prochain, même si on est mené 7-4, pour l'instant 7-5, 7-6, et non, ils ont le prochain robot, malheureusement, on s'est fait avoir, alors. Là, normalement, s'il push pas, il faut que le Franck meure. Ok, il faut que la Shelly, elle meure. S'il push pas derrière, normalement, mes frérots, ils vont pouvoir défendre. Moi, bon, je vais essayer de les gêner comme ça, les gars. Ça devrait pouvoir le faire. Voilà, c'est bon. On a 67%, ils ont beaucoup moins. C'était une game assez serrée quand même. On va se tester une petite partie de braquage avec la Jessie Dragon Rouge, les gars. Voir un petit peu ce que ça peut donner. On se sera fait quasiment toutes les maps. Il manque plus que le Prime, on se sera fait une revue de toutes les maps avec le nouveau skin. Alors par contre, Penny, les gars, s'ils se mettent derrière moi, on est dans la même merde. Parce que là, je pense que ça pue un peu ou pas. Alors, là, il faut que je régène. Il y a une Penny ou pas, là? Normalement, il y a la Penny, là, les gars. La tourelle, elle sert à rien. Allez, il faut que j'aille les gêner un petit peu. Le primo... Ok, on a la tourelle qui est là. On va la foutre au mid. Ah, putain, coup dur. Faut faire attention, là. Je vais mourir ou pas? Alors, je vais essayer de me mettre côté gauche avec ma petite tourelle. Tranquille, voilà. On va essayer de les gêner comme ça. Ouais, là on est en train de les dominer un petit peu, même si je vais me faire soulever. On est en quoi là? On est en 62% pour leur coffre. Alors Arcade au mid sur cette map, j'aime beaucoup. Alors on a plusieurs mids. En général, je conseille un lanceur style à barley. J'aime beaucoup. C'est plutôt efficace. Ouais. L'attaque. On va toucher comme ça. Ça ricoche. On a loupé le coup, et ils sont tous côté droit. Ah putain, coup dur, je me suis pris le mortier. Alors si mon petit bot 2, le beau, il pouvait juste tirer sur le coffre, en fait, c'est du braquage, du coup, il faut mettre des dégâts sur le coffre. Hein. Le mec tire sur les ennemis, c'est très bien. Mais à mon avis, ça peut être intéressant aussi de mettre des dégâts pour qu'on puisse plier la game le plus vite possible. Alors est-ce que je peux faire ça, là? Oh putain, j'ai même pas eu le temps de poser ma tourelle. Alors eux, en face, ils sont les 3 en full def, c'est assez bizarre comme stratégie, parce que... Ils passent tous côté droit, je pense qu'en vrai... En vrai, je vais push, moi. En vrai, je pense que je vais push. On va essayer de push comme ça. Ok. On va continuer à push de ce côté-là. Ah, je vais mourir ou pas, non. Alors moi, je vais les faire tourner en bourrique un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à mettre les dégâts? Malheureusement, je me suis fait des pop, mais on a mis leur coffre à 33%, les gars. On peut largement remporter ce match, même si mes coéquipiers sont un peu bizarres. Ah, on se met l'un devant l'autre, là, c'est un petit peu mal joué. Allez, on a pas beaucoup de temps pour aller finir, il faut qu'il m'aide à push, là. Il faut qu'il m'aide à push, d'ici, c'est quand même pas le brawler qui met le plus de dégâts, putain. Alors, il reste combien de temps? Il reste pas longtemps, on pourra pas finir. On pourra pas finir, les gars, malheureusement. Ils me courent après tous les deux, c'est assez rigolo.
Ou pas, les gars, est-ce qu'on peut finir? Ma tourelle, ok. C'est même pas ma tourelle qui a fini, je crois. Mais dans l'ensemble, on s'est mis quand même plutôt pas mal sur cette vidéo. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. On aura fait le tour des maps. En tout cas, retenez bien. Sorti le 9 juin, gratuitement, de ce skin de Jesse Dragon Rouge, les copains. N'oubliez pas d'exploser le pouce bleu si vous êtes hype. J'espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de skins accessibles à tous, gratos. Parce que bah, ça refait tout simplement toute la commu. Tout le monde peut en bénéficier. C'est vraiment, vraiment stylé. Donc, les copains, passez une bonne journée. Profitez bien. N'oubliez pas de rentrer le code CREATEURGAEL, à très bientôt, ciao ciao.